Salut à toutes, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo que je veux vous tourner depuis des semaines. Et je reculais toujours l'échéance parce que je suis une sacrée coquine et que j'en ai jamais assez et que vous allez comprendre. Bref, donc aujourd'hui, je vais vous présenter la sublimissime collection de Noël de Bobbi Brown. J'ai donc été invitée il y a quelques semaines à la présentation presse de la collection de Noël de Bobbi Brown. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les collections de Noël, en général, c'est pas forcément un truc qui m'attire énormément dans les autres marques. Par contre, chez Bobbi Brown, j'ai une histoire par rapport à cette marque et par rapport aux collections de Noël qui a commencé par une catastrophe. Hein. Il y a quelques années, en fait, je me souviens très bien qu'ils avaient sorti une palette pour Noël. C'était une palette qui était dans les tons chauds, dans les tons marron, beige, avec des pailletés sublimes, etc. C'était une palette de 9 fards, je crois. Et je me souviens l'avoir vue en boutique, avoir complètement craqué. Je me souviens, elle faisait 75 €. Je me souviens très très bien. Et je ne l'ai pas prise tout de suite. Je me suis dit, réfléchis quand même. Elle est sublime, mais bon, j'étais en mode raisonnable, etc. Et je suis rentrée chez moi. Et quelques jours après, j'ai voulu l'acheter et il n'y en avait plus nulle part. J'ai été incapable de la trouver, ni en ligne, ni en boutique. Elle était sold out et je me souviens avoir regretté et l'avoir cherchée, mais vraiment pendant des mois, pas moyen de mettre la main dessus. Donc j'ai dû faire une croix dessus et après je me suis dit, Géraldine, pour les collections de Noël Bobbi Brown, s'il y a quelque chose sur lequel tu craques, tu l'achètes, point barre, quelles que soient les conséquences après, si tu dois manger des pommes de terre et du riz pendant un mois, mais tu investis quand vraiment tu as un coup de cœur. Et donc, je crois que c'était l'année suivante, c'était la première fois que je craquais pour une palette de Noël de Bobbi Brown que je vous ai présentée sur mon blog. Je vais vous la remontrer parce que c'est vraiment une splendeur, hein. C'est quelque chose dont je ne me séparerai strictement jamais. Et la voici. La voici, je voulais montrer dans mes favoris, je voulais montrer plusieurs fois. Hein, et c'était ce genre de splendeur, vous voyez? Donc je m'en suis très peu servie parce que déjà l'objet est tellement magnifique que j'ai toujours un petit peu peur d'aller dedans. Et puis il y a énormément de teintes qui sont plutôt froides et c'est vrai que je suis moins à l'aise avec ces tons là même si il y a quand même du chaud, il y a des pailletés, il y a tout ce que j'aime, il y a ce bleu marine qui est absolument sublime, il y a le bordeaux qui est une sublimité absolue aussi. Vous pouvez aller voir la vidéo que je lui ai consacrée il y a quelques temps, il y a au moins 2 ans sur ma chaîne, hein. N'hésitez pas à aller voir les vieilles vidéos même s'il y en a qu'il faut vraiment flipper plus que de raison, mais c'est pas grave. Donc voilà, ça j'avais acheté il y a 2 ans et je l'avais jamais regretté parce que c'est vraiment déjà l'objet, enfin excusez-moi, mais voilà quoi, une petite tuerie. Et l'année dernière, j'avais reçu l'une des pépites de la collection de Noël. C'est cette chose-là que j'ai utilisée. Alors par contre ça, autant la première, c'est plus pour l'objet parce que je l'adore et etc. Et puis voilà quoi, je l'utilise pas énormément, mais alors ça... Mais mon Dieu, je l'ai utilisé pendant des mois et je l'utilise encore maintenant tellement ce qu'il y avait à l'intérieur était absolument parfait et correspondait en tout point à tout ce que j'adore. Donc déjà, les fards, je vous dis que ça, hein, de toute façon, c'est du Bobbi Brown, hein, c'est pas du truc fait à la va-vite exprès pour Noël comme d'autres marques font, si vous voyez ce que je veux dire, hein. Face. Bref, ce genre de choses. Voilà, donc là-dedans, c'est vraiment la qualité Bobbi Brown dans un coffret de Noël. En plus, il y avait 2 pinceaux absolument géniaux. Il y avait le petit mascara, l'eyeliner, donc le blush, le bronzer et l'highlighter. Donc, c'était vraiment une merveille. Donc, ce truc-là, pareil, je vous l'avais montré en vidéo. Je l'adore toujours. C'est une vraie tuerie. Et donc, cette année pour Noël, donc j'ai découvert tout ça en live. Donc, j'ai vu absolument tous les produits. Et c'est absolument, enfin j'ai pas d'autre mot, c'est complètement féerique. Aussi bien les produits en eux-mêmes que le packaging, c'est juste à tomber par terre. Donc pour celles qui me suivent, elles ont déjà vu tout ça, j'avais partagé tout ça avec vous sur Instagram. Et vraiment c'était absolument sublime. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette année, ils ont décidé de sortir plusieurs gammes de prix dans les palettes et ça c'est génial. En général il y avait une palette ou deux et il y a des prix quand même assez élevés donc c'est absolument pas accessible à toutes les bourses. Et cette année il y a donc une palette qui est chère, qui est à plus de 70 €, qui est une tuerie que je vais vous montrer tout de suite, qui est sublime.
mais qui est cher. Il y a une deuxième palette avec pas mal de fards qui est un petit peu moins cher, mais qui est quand même encore dans des prix assez conséquents, qui est à 59 euros. Après, quand on voit le nombre de fards qu'il y a à l'intérieur, c'est complètement justifié, mais qui est quand même un petit peu cher. Et ensuite, il y a deux palettes qui sont à 39 euros, qui sont sublimes. Il y a même deux palettes qui sont à 29 euros. Donc 29 euros pour du Bobbi Brown, et quand je les ai vus, je les ai swatchés, etc., c'est de la bombe atomique. C'est vraiment génial parce que pour les filles qui ont un tout petit budget et qui rêvent de tester Bobbi Brown depuis super longtemps, et ben vous aurez la possibilité de vous acheter une des deux petites palettes à 29 ou celle à 39 que je vous montrerai aussi, qui sont absolument magnifiques. Super pigmentation, super fard, etc. Donc pas de qualité moindre pour Noël, mais vraiment toujours la qualité Bobbi Brown dans des prix accessibles et à des packaging. Je ne vous dis que ça. Donc je vous montre tout de suite ce que moi j'ai à ma disposition. Donc sur place à la présentation presse, on m'a offert une palette, on m'a offert un rouge à lèvres et on m'a offert en plus un petit fard mono. Et donc voilà, donc j'avais ces trois choses-là de la collection de Noël, sauf que j'ai pas pu m'en empêcher, donc j'ai attendu un petit peu et puis j'ai commandé la fameuse palette de dingue, celle qui est très chère et qui me faisait tellement de l'œil que je ne pouvais pas ne pas l'acheter. Donc je me suis fait mon petit plaisir, mon petit cadeau, donc j'ai acheté cette palette plus un gloss. Et j'ai attendu encore un petit peu et puis finalement j'ai acheté la palette à 39 euros avec laquelle j'avais été maquillée par Laura, qui était tellement belle et qui me restait tellement dans le crâne que je me disais il me la faut aussi celle-là absolument. Et voilà, donc du coup j'ai vous présenté beaucoup plus de choses que ce que j'étais censée vous présenter, mais au moins vous aurez un très bon aperçu d'un maximum de choses de la collection. Et pour le reste, vous irez voir sur le site de Bobbi Brown. Les photos sont magnifiques de toute façon, donc y a de quoi faire. Alors, on y va? C'est parti. Alors, on va commencer tout de suite par la fameuse palette. Donc, la fameuse palette, donc c'est la palette la plus chère. Et l'objet est un bijou en soi. Regardez-moi cette merveille. Voilà. Donc, c'est une palette de fard à paupières qui s'appelle la Luxe Gems Eye Shadow Palette. Voilà, donc elle est... j'ai pas trop de mots. Elle est complètement sublime. Et attendez de voir l'intérieur. Voilà. Voilà l'intérieur. Donc, la palette se présente comme ceci. Il y a 7 fards à l'intérieur avec des finis différents. Il y a du mat, il y a du pailleté, il y a du duochrome, il y a du métallisé. C'est une merveille, hein. C'est vraiment pour les fans de maquillage, pour les fans de Bobbi Brown, pour les collectionneuses. Donc moi, je coche les trois cases. C'était impossible que je parte sans. Parce qu'en fait, c'est pas celle qu'on m'a offerte, celle-là, je l'ai achetée ensuite. Celle qu'on m'a offerte, je vais vous la montrer après. Mais voilà, donc c'est cette tuerie et c'est celle que je porte aujourd'hui sur mes yeux. Donc aujourd'hui, je suis évidemment en full face Bobbi Brown. Donc si vous voulez que je vous fasse un Get Ready With Me ou un tuto avec l'une ou l'autre de ces palettes, vous me le dites dans les commentaires pour que je puisse vous filmer ça rapidement, il n'y a aucun souci. Mais là, je voulais juste vous présenter les produits parce que de toute façon, il y en a trop, j'aurais pas pu tout mettre sur mon visage. Mais n'hésitez pas à me dire si vous voulez voir une palette, un rouge, etc. En action en particulier, n'hésitez pas, ça me fera très plaisir. Ensuite, nous avons celle que l'on m'a offert. Donc c'est la In a Flash Eyeshadow. C'est la In a Flash Eyeshadow Palette que voici, qui est complètement superbe aussi, qui est par contre qui est en carton celle-ci. Donc voilà, donc c'est une palette inspirée par New York. Et à l'intérieur, vous avez donc évidemment un grand miroir que je ne vais pas vous montrer parce que ça va faire n'importe quoi dans le... Et voici les 4, 8, 12 fards qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est quand même une grande, grande palette. Avec des couleurs, il y a aussi bien du chaud que du froid. Il y a du métallisé, du pailleté, du mat, il y a de tout. Elle est très, très, très belle. Je vais vous montrer les swatchs. Donc...
Là, je vous montre les swatchs. Donc, elles swatchent très très bien et le rendu sur les yeux est absolument sublime. Donc, dites-moi si vous voulez un tuto avec cette palette aussi. Donc, celle-ci, elle fait 59€. Donc, je trouve franchement, pour du Bobbi Brown et pour une palette de 12 fards, je trouve que c'est vraiment raisonnable. Surtout que les pannes sont vraiment en grand. Il y en a pour toute une vie. Et puis, pour se faire un cadeau, hein, ou faire un cadeau tout court, ben voilà, c'est complètement sublime. Ensuite, j'ai également acheté la plus petite palette, enfin une des plus petites palettes qui sont à 39€, il y en a deux. Et j'ai acheté la Love in the Afternoon. Donc c'est la palette à 39€ qui a des tons roses à l'intérieur. Et regardez-moi cette merveille. Alors ça, ça donne pas grand chose à l'image. Mais c'est vraiment un mélange pareil de mat et de pailleté métallisé. Il y a des roses froids, des roses chauds, des prunes, des marronnés, des beiges. Enfin, c'est une palette absolument sublime. Et donc 39€ pour du Bobbi Brown, vraiment ça vaut ultra le coup. En plus elle est hyper jolie. Voilà, regardez le packaging. C'est vraiment de toute beauté et je ne pouvais pas ne pas l'acheter. Je vous dis, c'est celle avec laquelle m'a maquillée Laura sur place et le make-up était vraiment trop joli. C'est aussi bien une palette de tous les jours que vous pouvez utiliser super facilement voilà, pour tous les jours qu'une palette pour vous faire des maquillages un petit peu plus soutenus, du maquillage de soirée, de fête, de tout ce que vous voulez. Voilà, 39€. Malheureusement, je n'ai pas encore, j'ai pas encore craqué pour celle à 29€. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que j'ai bien fait d'attendre pour vous montrer tout ça parce que actuellement, donc de lundi à jeudi, il y a moins 25% sur tout Bobbi Brown sur le site. Donc c'est absolument génial. C'est parce que ça marche aussi sur les collections de Noël, alors que d'habitude ça ne marche pas sur les collections un petit peu en édition limitée. Là, ça marche sur les trucs de Noël. Donc si vous avez envie de craquer, c'est tout à fait le moment de craquer. Vous avez 25% à partir de 80€, mais vous avez 25%. Et il va y avoir le Black Friday, donc vendredi, ce week-end. Je ne sais pas du tout. Je vous mettrai, ça dépend de quand je poste la vidéo, mais je vous ferai une update. Je vous dirai s'il y a une réduction qui est plus importante que 25%. Ça me paraît compliqué, mais on ne sait jamais. 25% sur ce type de produit, c'est toujours ça de prix. Ensuite, j'ai reçu, moi, à la présentation, un des rouges à lèvres. Donc, il y a trois rouges à lèvres, donc raisins, qui sont comme ceci. Qui sont sublimes. Parce que, regardez-moi, enfin, c'est une dinguerie. Alors, regardez-moi ça. Comme c'est beau. Donc c'est un rouge à lèvres qui est entièrement pailleté. Et voilà, c'est celui que j'ai, c'est le Tahitian Pearl. Et c'est celui que je porte aujourd'hui sous un gloss. Donc c'est pailleté, légèrement métallisé, mais super portable. En général, j'aime pas du tout ce qui est métallisé et pailleté sur les lèvres. En tout cas, métallisé, c'est pas possible. Et là, c'est vraiment hyper subtil. Il y a des super beaux reflets. C'est vraiment... Ça fait une super jolie bouche, hyper lumineuse. Et j'adore le rendu. Donc, j'ai eu celui-là à la présentation presse. Et je n'ai pas pu m'empêcher de commander un autre que j'avais vu à cette présentation, qui est le gloss. Donc les gloss, il y en a deux ou trois, je ne sais plus. Trois, je crois aussi. Et celui-ci, c'est le Sparkling Sand numéro 3. Voilà, c'est celui que j'ai mis par-dessus le rouge à lèvres. Donc en plus, les deux là ensemble vont merveilleusement bien, hein, c'est sûr. Et ça, c'est vraiment des produits. Moi, de toute façon, les produits lèvres Bobbi Brown, vous savez que je suis complètement fan. Et voilà, donc la collection de Noël est complètement sublime. Les couleurs, il y a un rouge pailleté aussi qui est dans mon viseur, je n'en dirai pas plus. Et allez voir le reste sur le site parce que vraiment c'est ultra ultra réussi. Pour finir dans la présentation de cette collection, il y avait également des monos, donc il y a trois monos aussi je crois, qui se présentent comme ceci. Donc packaging encore une fois absolument sublime. Et à l'intérieur vous avez ce fard. Espèce de beige rosé à reflets qui est absolument dingue, que je vous ai swatché, donc qui est complètement sublime.
et qui s'appelle Opal Moonstone. Donc, ces monos là, ils existent déjà dans la collection régulière, mais là ils en ont rajouté 3 pour la collection de Noël et les couleurs sont complètement dingues. Il y a un bleu complètement fou que je vous laisse aller découvrir sur le site. Mais donc moi j'ai réussi à avoir celui-ci qui est complètement magnifique. Voilà, donc c'est tout pour la collection de Noël de Bobbi Brown. Enfin, c'est tout. Il y a quand même, je vous ai quand même présenté pas mal de choses. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse un make-up, une nouvelle full face Bobbi Brown. Moi, j'ai très envie de le faire parce que j'ai pas mal de nouveaux produits à vous présenter de la marque. Entre autres, celui-ci, le sérum Intensive Skin Serum Foundation SPF 40 qui a été repackagé totalement, qui est une tuerie, qui est le fond de teint que je porte aujourd'hui, qui est absolument génial. Dites-moi quelle palette vous avez envie de voir en priorité, en action. Je peux même vous en faire plusieurs, hein. Il y a aucun souci, je suis partie, je suis lancée. Donc voilà, dites-moi ce que vous préférez, dites-moi si ça vous plaît, dites-moi si c'est une marque qui vous parle, hein, un petit peu comme à moi. Moi, c'est vraiment une marque qui est très très chère à mon cœur. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo.